Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Betok, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur For Honor pour un nouveau guide ultime, mesdames et messieurs. Aujourd'hui ça sera sur le fléau. Alors merci encore pour tous les retours sur les derniers guides, comme d'habitude ça me fait super plaisir. Sachez qu'il y a énormément de gens qui me posent la question de est-ce que tu vas faire tel guide sur tel perso, blablabla blablabla. Bref, sachez une chose, c'est que j'ai dit et je le redis que je vais faire les guides ultimes sur tous les persos. Faut juste être patient parce que moi ça me prend énormément de temps, voilà, après faut que je vois ce que je vais dire, que je regarde un petit peu ce que j'ai oublié parce que certains persos, ça fait très 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 longtemps que je les ai pas joués. Donc voilà, j'espère que vous allez être patient, parce que c'est quand même une grosse qualité d'être patient, hein, je vous le dis. Et bah que ça va quand même vous faire kiffer que je vous fasse des petits guides sur les persos que vous voulez, parce que bah je fais ça au fur et à mesure, mais c'est surtout pour vous aider, vous, les joueurs. Et moi, je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à cacher, voilà. Moi, je montre ce que je peux vous présenter d'un point de vue francophone. Après, bah si vraiment vous voyez qu'il y a peut-être des petits trucs que j'ai oubliés, par exemple, bah, comme j'ai dit, les main fléaux, etc., vous pouvez tout simplement me corriger dans les commentaires et au moins bah je mettrai un petit truc au niveau de votre com pour que les gens puissent le voir plus facilement. Donc bref, allons-y. Aujourd'hui on va parler du fléau. Faut savoir que le fléau c'est quand même un perso qui est quand même vachement défensif. Alors pour moi c'est quand même le meilleur tank en cible unique, c'est-à-dire que en anti-gank je trouve que il est pas non plus aussi fort que le Jarl, mais ça reste un très bon perso dans le sens où si vous êtes fort en pairing, vous êtes fort au niveau des feintes et que vous êtes fort au delay d'attaque, je peux vous garantir que le fléau ça peut être vraiment très intéressant pour vous, et surtout au niveau des attaques dashées en 50-50, ça peut être méga fort. Voilà, je trouve que c'est un perso sous-coté, surtout que le perso est très stylé et il est très très fort. Un bon joueur fléau, c'est un perso qui tient très longtemps en anti-gank et qui peut faire facilement un gros carnage avec la défense totale. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à le prendre si vous voyez que vous êtes plutôt défensif de nature. Bref, allez, commençons directement avec ce fameux guide fléau. Alors sachez une chose, c'est que avant de commencer la vidéo, je tiens à dire, je vous conseille d'aller voir les spécificités du héros d'un sens où voilà, je vais pas revenir dessus, et pareil au niveau des coups, parce que bah je vais parler de plein de choses dans le guide, et bah je vous conseille d'aller en tactique des héros pour voir vraiment toutes les spécificités, tous les trucs importants à savoir sur le fléau, comment on fait la défense totale, comment on feinte les coups, comment on fait le plaquage de bouclier, comment on fait les coups de bouclier, bah bref, tous les trucs comme ça, au moins ça va vous permettre de faire pas mal de choses après. Bref, on va commencer directement par les bases du fléau, c'est-à-dire l'attaque de course. Alors l'attaque de course du fléau, c'est très simple, c'est quand vous allez courir sur l'adversaire, vous allez appuyer sur le bouton de briseyard, ça va l'envoyer à terre, c'est un plaquage de bouclier. Le plaquage de bouclier va se servir surtout uniquement en soutien, c'est-à-dire vos alliés sont pas loin de vous, bah au moins votre adversaire va tomber à terre et les alliés vont pouvoir punir très facilement le mec qui est à terre. Donc ça c'est vraiment très cool. Après faut faire attention, ça gâche beaucoup de stamina si c'est raté, et je vous conseille aussi de le faire si vous voyez que l'adversaire et pas trop loin d'un vide pour tout simplement le faire tomber. Voilà. D'ailleurs, je tiens à m'excuser peut-être pendant le record si jamais vous entendez des orages ou de la pluie derrière moi, c'est tout simplement qu'il y a un orage qui s'est préparé pendant mon guide ultime fléau. Voilà, donc rip le temps, parce que bah voilà, il est dégueulasse. Donc voilà, c'est juste un petit truc pour ceux qui se demandent pourquoi il y a de la pluie derrière ou de l'orage. Bref, donc du coup, l'attaque de course, hop, on fonce sur lui. Ça va permettre de faire des attaques de type soutien pour vos alliés. Donc voilà, vraiment très sympa. Pas. Après faites attention, quand vous ratez cette attaque, je peux vous garantir qu'au niveau de la recovery pour retourner sur un état normal, c'est très lent. Donc ça peut axer quand même un punish sur vous. Donc faites très attention, visez bien le mec et foncez lui dessus avec le plaquage au bouclier. Et là ça va pouvoir vous permettre de faire pas mal de choses au niveau des attaques. Au niveau des attaques légères et des attaques puissantes du fléau, faut savoir que le fléau c'est un perso type harcèlement au niveau des combos quand même, parce que vous pouvez enchaîner peu importe sur les attaques légères ou les attaques puissantes, ça fonctionne super bien. Donc après à vous de savoir ce que vous allez faire, mais ça reste très 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 puissant. En bas level c'est très fort, après un high level on va devoir jouer sur le taux de réussite, c'est à dire on va devoir effectuer les coups pour vraiment être sûr que l'adversaire va se les prendre. Voilà. Ensuite, au niveau de ces attaques-là, je peux vous garantir que vous pouvez pas feinter. Alors, vous pouvez pas feinter les attaques légères, malheureusement, mais les attaques puissantes, vous pouvez seulement les feinter avec la défense totale, parce que vous pouvez, faut savoir une chose sur le fléau, c'est que vous pouvez pas annuler avec le bouton d'annulation. Le seul moyen d'annuler une attaque du fléau, donc une attaque puissante, c'est tout simplement en utilisant la défense totale. Donc, avant que ça arrive, hop, vous faites défense totale et ça va l'annuler. Voilà. Donc ça c'est vraiment les trucs à savoir en premier sur le fléau, c'est qu'on peut faire du combo harcèlement avec les attaques légères, attaques puissantes, et que le seul moyen de feinter c'est avec la défense totale pour les attaques puissantes, et aussi les attaques chargées en imbloquable. Donc maintenant on va parler des attaques légères, parce que les attaques légères du fléau c'est le truc que je trouve un petit peu sous-côté, dans le sens où certes en bas level c'est très fort, en high level ça peut facilement être punitif, mais il y a une petite technique pour éviter d'avoir ce genre de problème au niveau du pairing. Donc
normal, vous pouvez faire les attaques légères comme ça en harcèlement, donc ça fonctionne super bien en bas level, y a pas de problème. En high level, je peux vous garantir, vous faites ça, vous vous faites parer instantanément, donc je vous déconseille pas quand vous commencez à monter en niveau. Mais par contre, je vais vous montrer une petite technique qui peut être plutôt sympathique quand vous faites ce genre de choses avec le fléau. Sachez que vous pouvez par exemple casser le rythme de vos attaques comme ça, tout simplement en refaisant la même attaque du même côté, ça va casser le rythme, et du coup, l'adversaire peut-être, il va essayer de parer l'attaque, mais au mauvais moment, et du coup, il va se prendre une attaque. Donc en fait, c'est tout simplement en refaisant la même attaque légère, mais au même côté. Donc hop, l'attaque va être plus lente. Donc il y en a qui vont me dire, ouais peut-être c'est chiant parce qu'au niveau du paring ça veut dire que le mec il va pouvoir parer plus facilement. Bah non, parce que si tu enchaînes sur des trucs comme ça et que d'un coup tu changes et que tu fais la même attaque du même côté, je peux vous garantir que des fois ça peut vraiment perturber. Donc ça c'est le petit truc en plus, hein, c'est le cassage de rythme. Et après vous pouvez faire des attaques en delay. Donc ça c'est vraiment super bien, surtout en high level, pour agresser un adversaire. C'est tout simplement en attendant le dernier moment de l'animation de l'attaque à chaque fois au niveau de l'attaque légère. Et vous allez pouvoir faire des attaques timées. Là vous pouvez voir que le timing n'est pas le même alors que je suis toujours en combo. Ça c'est vraiment parce que j'appuie au dernier moment. Je vous donne mon timing, hein. Pam, 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 pam. Voilà. Par contre, si je fais vraiment l'attaque mais sans délai, ça donne ça. Pam, 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 pam. Vous voyez, genre on sent tout de suite la différence au niveau du delay. Donc ça c'est vraiment intéressant. Après si vous essayez de combler ce truc là avec le cassage des rythmes en plus, bam, 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 voilà, genre on peut vraiment faire des attaques en délai avec du cassage de rythme, et ça c'est vraiment très fort sur le fléau parce que ça va beaucoup nous permettre d'agresser l'adversaire malgré que on monte en high level. Donc voilà, faire les attaques en délai avec le fléau, ça peut être vraiment intéressant en soi. Bref, maintenant on va parler des attaques puissantes sur le fléau. Faut savoir que les attaques puissantes du fléau, vous pouvez les enchaîner à l'infini, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez aussi les faire en transition au niveau des attaques légères, il n'y a pas de problème. Par contre, le seul problème, comme je vous l'ai dit hein, au tout début de la vidéo, c'est que le seul moyen de feinter une attaque puissante de fléau, c'est simplement en mettant la défense totale. Donc en mettant le joystick droit en bas, au moment où l'attaque arrive sur l'adversaire, pour tout simplement la feinter et basculer sur une défense totale. Alors pourquoi les développeurs ont voulu axer sur cette défense totale et pas le fait qu'on puisse feinter? Parce que ça va nous permettre de faire soit des contre-attaques, soit de basculer sur d'autres choses. Mais ça je vous expliquerai après au niveau de la défense totale ce que vous pouvez faire. Donc du coup le seul moyen de pouvoir arrêter ces attaques là, c'est vraiment de pouvoir faire la défense totale en plein milieu. Voilà. Donc après c'est une question d'entraînement, mais ça reste très fort. Genre si l'adversaire il attaque au mauvais moment, vous pouvez faire un punish assez intéressant derrière. Faut savoir une chose au niveau aussi des attaques puissantes du fléau, c'est que les meilleures attaques puissantes du fléau, c'est les attaques hautes. Les attaques hautes, c'est vraiment celles qui font le plus de dégâts. Là, je fais du 25. Là, je fais du 25 aussi. Les attaques hautes du fléau, elles font du 33 de dégâts. Après, si j'enchaîne par exemple deux fois la même chose sur le côté gauche, sur le côté droit, elle va monter à 32 dégâts sur le côté gauche ou droit. Par contre, si je fais celle-ci à chaque fois, vous pouvez voir que je fais 33 en début de combo et 30 sur les autres. Donc c'est-à-dire que vous allez beaucoup plus accepter le fait de faire des attaques en ouverture sur une attaque puissante haute parce que ça va vous permettre de faire beaucoup plus de dégâts. Et ça c'est vraiment intéressant en soi de pas l'oublier parce que ça va nous permettre de faire non seulement le max punish mais aussi faire des attaques sur les murs beaucoup plus importantes que d'habitude. Donc voilà, n'oubliez pas que l'attaque haute du fléau c'est la meilleure. Après au niveau des attaques puissantes du fléau, faut savoir une chose, c'est que vous pouvez aussi charger l'attaque. Donc du coup quand vous allez charger l'attaque, le fléau va tourner, donc c'est en maintenant le bouton d'attaque puissante, ça va déclencher une imbloquable. Alors l'imbloquable, faut savoir une chose, c'est que Oh, j'avais pas vu cette animation, elle est un peu space, bref. Du coup, en fait, quand vous allez faire ce genre d'animation, donc c'est-à-dire en maintenant le bouton de fléau, ça a bouffé de la stamina, ça c'est sûr et certain. Donc ça, faut pas le faire trop longtemps. Là, c'est parce que je suis en régénération, mais le faites surtout pas quand vous avez plus trop de stam. Mais en fait, ce truc-là va vous permettre d'envoyer des attaques imbloquables. Faut savoir que cette attaque imbloquable-là, si vous la faites en opener, c'est-à-dire devant l'adversaire alors que vous avez rien prévu après, je peux vous garantir que vous allez être parable. Très facilement même. Donc en fait, cette attaque va surtout vous servir si jamais vous êtes en soutien, que par exemple votre allié se fait focus par un ennemi, bah si vous êtes pas loin de cet ennemi, vous pouvez tout simplement charger cette attaque imbloquable, que ce soit haute sur les côtés, et la balancer sur l'adversaire. Faut savoir que l'attaque imbloquable haute en chargée, c'est 44 de dégâts, et c'est vraiment puissant, sur le côté gauche et sur le côté droit, ça fera 33. Voilà. Et peu importe le temps que vous allez charger, ça fera exactement le même nombre de dégâts. C'est du moment que ça fait un petit tourniquetis avec le fléau, il n'y a pas de problème après.
Après, au niveau de cette attaque puissante chargée, vous pouvez aussi l'annuler en appuyant sur le bouton d'annulation. Donc ça, c'est vraiment la seule attaque que vous pouvez annuler vraiment avec le bouton d'annulation qui est rond. Hein. Sinon, c'est pas possible. Hein. Après, vous pouvez aussi l'annuler d'une autre manière, c'est-à-dire en faisant ce genre de technique et hop, vous allez basculer sur une défense totale. Donc la défense totale, je vais en parler à la fin, mais si jamais par exemple vous faites ce genre de truc, c'est une technique, hein, si vous faites ce genre de truc, c'est charger l'attaque et que vous basculez ensuite sur une défense totale, souvent l'adversaire il est un peu couillon, surtout en bas level, en mid level, il va essayer d'attaquer, du coup vous restez en défense totale et vous appuyez sur le bouton d'attaque puissante pour envoyer l'attaque sur l'adversaire, ça va être l'hypercut de bouclier, donc ça c'est vraiment une technique qui peut être sympathique au niveau de l'attaque chargée si vous essayez de la faire en opener bien sûr, hein. Mais sinon je vous conseille juste cette attaque puissante chargée seulement si vous êtes en soutien, voilà. Donc du coup là j'ai parlé des attaques puissantes du fléau, mais il faut savoir aussi une chose, c'est que ces attaques puissantes ont une sorte de propriété de blocage supérieur. Alors comment ça fonctionne sur les propriétés de blocage supérieur sur ce perso? Alors en fait tout dépend de comment vous allez faire les attaques. En fait si vous envoyez votre attaque au même moment où l'adversaire envoie votre attaque va avoir la priorité sur elle et du coup vous allez pouvoir facilement le toucher. En fait ça va renvoyer l'attaque, certes c'est pas garanti, mais si vous avez le bon timing je peux vous garantir que l'attaque va se renvoyer sur lui. Et si vous arrivez à caler une contre-attaque offensive sur la haute, ça va faire d'énormes dégâts. Donc je vous montre, hein. Mais genre c'est juste en envoyant l'attaque au bon moment, sinon bah vous allez devoir parer. Donc là hop, ça c'est contre-attaque offensive, ça fait super mal, hein. Genre hop, ça fait un petit 25 de dégâts, mais après sur la haute c'est plus intéressant. En fait faut juste attaquer au même moment que l'adversaire, donc au moment où ça arrive sur vous. Et en fait même un petit peu, un petit temps de préparation quand même, parce que si vous le faites un peu trop tard, ça fait du paring. Donc minimum un petit temps de préparation, sinon vous allez parer automatiquement le coup, donc faut juste attaquer un petit peu avant, puis normalement ça renvoie le coup comme d'habitude au niveau de la contre-attaque, y a pas de problème. Après faut vraiment avoir le timing, quand on sait bien travailler je peux vous garantir que c'est très puissant. Après sinon bah si vous êtes fort en paring y a pas de problème, hein. Mais bon ça serait con de pouvoir laisser de côté une attaque puissante juste parce que vous êtes sur une contre-attaque offensive, voilà. Après c'est une question d'entraînement, moi je suis pas vraiment calé dans cette attaque là, mais je peux vous garantir que ça fait quand même énormément de dégâts si vous arrivez à axer sur ce truc là. Après, tout est une question d'entraînement, hein, clairement. Donc voilà, entraînez-vous et vous allez pouvoir caler des contre-attaques offensives comme ça pendant que l'adversaire essaie de vous frapper. Et ça, ça peut vous permettre de faire de la grosse contre-attaque, hein, vraiment. Bref. Donc voilà, je vous ai montré comment on faisait. Après, voilà, c'est pas vraiment parfait parce que bah, je ne sais pas vraiment le faire à 100%. Mais voilà, tout est une question d'entraînement. Je peux vous garantir que ça peut être très 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 fort. Bref, voilà. Et c'est vraiment la contre-attaque offensive du fléau. Ça fonctionne aussi sur la route, y a pas de problème. Et ça va nous permettre de faire pas mal de choses sur ce truc-là. Bon voilà, là j'ai parlé de tous les trucs qu'il faut, maintenant on va parler de l'attaque de zone du fléau. L'attaque de zone du fléau est un peu space, parce qu'en fait vous pouvez la maintenir. Si vous la maintenez, ça va permettre de mettre l'adversaire à une certaine distance, et en fait ça va vous permettre non seulement de pouvoir garder une certaine défense au niveau de vos adversaires, parce que l'adversaire quand vous essayez de faire ce genre de truc va pas vraiment se rapprocher de vous, c'est sûr et certain. Mais elle peut être pas mal parce qu'elle va pouvoir nous permettre de faire des 50-50 qui sont plutôt intéressants au niveau de cette attaque de zone. Mais ça sera pour les attaques d'hachées. Mais à quoi sert cette attaque de zone? Ça peut servir en tant que opener, ou par exemple si vous êtes près de l'adversaire, vous faites ce genre d'attaque. Vous pouvez bien sûr l'annuler, vous pouvez aussi la laisser, hein, vous maintenez l'attaque de zone et ça va sans arrêt la faire. Alors faut faire gaffe, ça bouffe pas mal de stamina, donc vous pouvez faire 2-3 tours maximum. Mais ça reste très puissant si vraiment vous voulez mettre l'adversaire en retrait et ensuite continuer sur vos combos. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ça va juste vous servir en opener ou juste pour agresser un petit peu l'adversaire si j'ai vraiment il y a trop de mecs à côté de vous, quoi. Donc faites attention, mais ça reste quand même bien parce que ça met vraiment les adversaires en retrait. Voilà. Au niveau de la brise garde, faut savoir que si vous arrivez à brise garde un adversaire, vous pouvez tout simplement caler plusieurs attaques. Donc que ce soit attaque à gauche, que ce soit attaque à droite, bah bref, tous les coups comme ça, y a pas de problème. Donc ça c'est normal, c'est axé, hein, y a vraiment aucun souci. Après au niveau des poussées, donc il y a la poussée à droite qui est plutôt sympathique, poussée à gauche qui est plutôt sympathique aussi, et poussée en avant, voilà, pas trop impressionnante, et poussée en arrière où ça envoie vraiment balader quand même. Voilà. Donc ça c'est vraiment au niveau des poussées. Après comme je vous l'ai dit, si vous arrivez à briser d'un adversaire, le mieux c'est de basculer sur des combos qui marchent, hein, donc voilà. J'espère par contre que normalement c'est, je sais plus si la hotte elle passe instantanément, mais c'est parce que je trouve ça bizarre qu'il ne peut pas bouger. Après si vous pouvez briser sur la route il n'y a pas de problème, mais après si vous voulez vraiment éviter d'avoir tout type de problème, vous pouvez faire aussi sur la gauche et la droite, normalement ça passe, il n'y a aucun problème. Après à confirmer, parce que voilà, moi je ne suis pas contre un adversaire qui se laisse faire, voilà. Donc à vous de confirmer, mais je crois que la tacote ça a l'air de
Ça a l'air de passer si je dis pas de bêtises. Donc bref, donc ça c'était les brise-gardes, donc ça c'est très simple hein, et après vous pouvez enchaîner sur pas mal de choses. Maintenant on va parler des trucs un petit peu plus cocasses, c'est-à-dire les attaques de bouclier. Alors faut savoir que, comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, on peut feinter l'attaque puissante en défense totale. Mais vous pouvez aussi feinter cette attaque par un coup de bouclier, donc c'est en appuyant sur le bouton brise-garde au moment où vous voulez faire le coup. Donc à quoi sert ce coup de bouclier? Bah ça va vous permettre vraiment juste de faire une attaque légère gratuite, hein, juste après. Hein. Mais ça vous permet en fait de faire du 50-50 et d'éviter de basculer tout le temps sur de la brise-garde ou sur de la défense totale. Voilà. Donc ça, ça reste fort. Si vraiment vous voulez annuler votre coup et de basculer hop, sur une attaque comme ça, donc hop, vous annulez brise-garde, hop, après vous pouvez enchaîner sur d'autres combos, il n'y a pas de problème. Mais ça reste fort d'un sens où si jamais l'adversaire essaie d'esquiver, si vous faites ce genre d'attaque avec coup de bouclier, bah, l'adversaire va esquiver, vous allez pouvoir caler le coup de bouclier pendant qu'il essaie d'esquiver. Donc ça c'est cool, vous pouvez enchaîner ensuite sur des attaques légères qui sont plutôt satisfaisantes. Voilà. Maintenant, je tiens à dire, c'est que toute attaque au niveau de coup de bouclier, ça vous permet d'avoir une légère garantie, que ce soit au niveau des petits coups de bouclier, du coup de bouclier basculé sur la fameuse attaque puissante, ou soit le gros coup de bouclier, ça vous permet surtout d'avoir une attaque légère gratuite. Voilà, ça c'était vraiment le truc à savoir, parce qu'il y a des gens, et bah, ils oublient souvent. Bref, alors, du coup, au niveau des attaques au bouclier, donc je vous ai montré hein, celle-ci qui est très simple, en basculant sur un coup de brise-garde au moment où l'attaque puissante vous voulez l'annuler, voilà, donc après basculer sur une attaque légère gratuite, il n'y a pas de problème. Mais après, vous avez les fameux coups de bouclier, que ce soit côté gauche, côté droit, côté en avant, c'est juste en faisant le bouton d'esquive et en appuyant sur le bouton de brise-garde. Donc ça c'est vraiment sympa, d'un sens où ça va vous permettre de faire de l'harcèlement. Et en fait, la meilleure technique, et celle qui marche absolument bien et qui est archi cancer sur le jeu clairement, c'est de faire ce genre de coup de bouclier, de vous rapprocher encore, de refaire un coup de bouclier, bah bref, voilà, genre, cette technique-là, je peux vous garantir, ça fait super mal, parce que, après, vous pouvez basculer sur du 50-50, et c'est ça qui est super fort sur Fléau. Beaucoup de joueurs jouent comme ça, hein, c'est de faire tout le temps ce genre de type d'attaque, et je peux vous garantir que c'est extrêmement chiant, même des fois, ils font des dashs comme ça, ils basculent sur autre chose, et ça, c'est vraiment très chiant, dans le sens où la légère est garantie, vous prenez sans arrêt cette attaque, et ça, c'est ultra chiant, clairement. Donc, après, c'est pas une technique que je vous conseille, parce que après, on va pouvoir la mixer avec d'autres trucs, donc ça, ça reste vraiment le truc le plus sympathique. Juste par exemple pour gratter un petit peu de PV aux adversaires. Par contre l'orage, s'il pourrait arrêter, ça serait plutôt sympathique. Mais j'espère qu'en tout cas vous l'entendez pas trop. Donc bon, maintenant je vais vous montrer que au niveau de ces attaques d'achet, vous avez une propriété aussi de blocage, hein, y a pas de problème. C'est à dire qu'en fait si vous esquivez dans le sens de l'attaque d'un adversaire, normalement vous avez une priorité sur cette attaque. Je vous montre hein. Donc vous pouvez esquiver bien sûr les coups, il n'y a pas de problème, mais si vous esquivez au bon moment, vous pouvez envoyer sur un coup de bouclier garanti, hein. C'est juste une question de timing. Et normalement c'est très puissant quand même. Hein. Donc faut juste avoir le bon timing, alors que ce soit au niveau de la contre-attaque ou que ce soit au niveau d'autre chose, ça peut être très fort. Donc vous avez juste le moyen de pouvoir faire l'attaque sur... une contre-attaque, donc comme je vous ai montré, et après il y a le fameux blocage supérieur en plus, donc ça c'est celui-là. Après le timing est assez serré hein, mais ça fonctionne. Donc soit vous faites la contre-attaque directement en esquivant le coup, soit vous faites avec ce blocage supérieur qui va vous permettre en fait d'enchaîner ensuite sur un coup de bouclier garanti. Ça c'est vraiment les deux types d'esquive que vous pouvez faire, donc soit vraiment de bloquer au niveau du blocage supérieur, soit d'envoyer sur une attaque comme ça, c'est-à-dire directement en esquive et de basculer sur un punish. Mais faites attention, du moment que ce soit l'autre ou celle-ci, ça reste quand même une contre-attaque, mais je pense que c'est mieux quand même d'utiliser celle avec le blocage supérieur, parce que ça va le couper dans son combo, et du coup vous allez pouvoir facilement l'enchaîner sur pas mal de choses. Donc voilà, vraiment deux types de moyens de pouvoir péter le cul aux adversaires si vous voulez esquiver avec ce coup de bouclier. Donc ça, vous esquivez au dernier moment, ça renvoie le coup de blocage supérieur, du coup vous avez accès à un coup de bouclier gratuit. Soit vous esquivez carrément le coup et du coup vous envoyez un coup de bouclier, mais après à vos risques et périls si jamais l'adversaire a de la super armor, hein, ça peut arriver hein. Ou en vengeance par exemple. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les propriétés à savoir sur le bouclier. Maintenant, je vais vous montrer des techniques parce que ça a beaucoup joué sur ça hein, au niveau du fléau. C'est au niveau des attaques d'hachées. Alors, faut savoir qu'il y a plusieurs types d'attaques d'hachées. Les attaques d'hachées du fléau, c'est une sorte de provocation, clairement. Parce que quand vous allez vous rapprocher de l'adversaire, vous avez vraiment une sorte de moyen de pression qui fait que l'adversaire va jamais savoir ce que vous allez faire.
Alors, en avant, c'est vraiment sympathique puisque vous allez pouvoir caler pas mal de choses. Mais sur les côtés gauche et droit, il y a pas mal de choses aussi à dire. Donc, je vous montre déjà les trucs basiques et après, je vous montrerai la suite après. Bref, tout simplement, vous avez le fameux coup de bouclier en délai. Donc, vous attendez un petit peu hein, le temps de l'esquive pour basculer sur un coup comme ça. Après, bah, vous pouvez le faire directement, ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez le faire en délai, c'est très fort. Donc ça reste un outil super bien. Et après ça vous permet d'accéder sur une EJA gratuite. Après vous pourrez continuer à faire ce genre de truc. Non seulement bah, l'adversaire il va jamais savoir ce que vous allez faire, parce que forcément vous allez basculer sur du 50-50. Mais en plus ça va être fort, d'un sens où bah, vous allez effectuer une esquive. Et après vous allez pouvoir basculer sur pas mal d'outils, non seulement sur le coup de bouclier mais aussi sur pas mal de choses. Vous pouvez faire aussi ce genre de choses, vous rapprocher de lui et faire une brise garde, basculer sur un coup, ou soit basculer sur un max punish si jamais il a plus d'endurance. Soit vous faites ce genre de truc, vous rapprochez de lui, vous faites une défense totale. La défense totale, d'un sens aussi, l'attaque comme un couillon, parce que ça peut arriver que quand vous vous rapprochez de lui, il fasse une esquive en attaque. Bah, bam, vous renvoyez le coup avec l'uppercut du bouclier. C'est très fort, même très très fort. Et après, il y a un dernier truc qui est plutôt sympathique en soi. C'est vous rapprochez de lui, vous basculez sur une attaque légère, pas de problème ça. Après, dernière, hop, vous rapprochez de lui, vous basculez sur une attaque de zone. Voilà. Hop. Ça c'est bien aussi, voilà. Après sur les côtés gauche et droit, qu'est-ce que vous allez me proposer? Bah déjà vous avez à gauche, vous pouvez faire brise garde, y a pas de problème. À ma droite c'est pareil, y a pas de problème aussi. Pareil, vous pouvez faire ce genre de truc, mais après le problème c'est que comme vous êtes pas en face de lui, forcément l'attaque de zone ne fonctionne pas très bien. Donc voilà, faites attention. Après ce qui peut être plutôt sympathique, c'est faire sur les côtés gauche ou droit, faire la défense totale. Ça peut être très impressionnant aussi, voilà. Après vous pouvez faire bien sûr les attaques timées au niveau du coup de bouclier. Hein. Donc voilà, ça c'est pareil. Ou soit vous faites ça et hop, après vous basculez sur une attaque légère comme celle-ci. Voilà. Donc ça c'est vraiment les trucs impressionnants entre guillemets. Mais faut faire gaffe, c'est plutôt au niveau d'attaque de zone sur le côté gauche et droit. Au niveau de la portée, ça va être un petit peu limite. Voilà, donc ça c'est vraiment les trucs que je peux vous donner au niveau du 50-50 sur le dash. Et c'est très très fort. Après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais une fois que t'as fait l'attaque légère garantie après le coup de bouclier, est-ce que tu peux accéder sur d'autres choses? Ah oui, y a pas de problème, mon garçon, hein, vraiment aucun problème. C'est juste que tu vas devoir enchaîner sur des feintes au niveau des attaques puissantes, que tu vas devoir enchaîner sur des coups de bouclier. Bah bref, ça, je vous le montrerai à la fin quand je vous ferai le gameplay. Y a aucun problème. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les trucs basiques hein, au niveau du fléau, mais ça fonctionne tellement bien, c'est très très fort. Et pareil, au niveau des recoveries de chaque attaque, faut savoir que par exemple, si vous voyez que votre attaque elle a porté, et si vous voulez vraiment avoir une recovery directe sur la défense totale, vous pouvez le faire. Vous finissez votre attaque, bam, vous faites défense totale. C'est pareil pour l'attaque légère, il n'y a pas de problème, défense totale. Vous faites attaque de zone, basculer directement sur défense totale. Donc ça reste très fort. Ça reste très très fort de basculer sur une recovery avec défense totale. Après, il faut savoir une chose, c'est que si vous êtes en défense totale, vous pouvez basculer sur pas mal de choses. Parce que il y a des gens, ils vont se dire, ouais, mais défense totale, t'attends juste que le mec il fait un coup de bouclier. Non, non, vous pouvez faire ceci. Vous rapprochez de lui, bam, basculer sur une brise garde, par exemple. Ça peut arriver. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez faire ça aussi au niveau de la défense totale, basculer sur attaque de zone. Ça veut dire que vous allez rester en défense totale, mais basculer aussi sur une attaque de zone après. Ça reste très fort. Ou basculer sur une défense totale, basculer sur un coup de bouclier. Au moins vous pouvez enchaîner aussi sur les autres trucs, pas de problème. Voilà, donc franchement la défense totale peut vraiment axer sur pas mal de choses. Pareil, après vous pouvez enchaîner sur ça, et après vous pouvez enchaîner sur une attaque en contre-offensive. Si jamais vous voyez que l'adversaire ça l'envoie sur vous, ou vous pouvez aussi essayer de parer. Vous avez juste tapé au bon moment, et là vous allez pouvoir parer l'adversaire, il n'y a aucun souci. Donc voilà, là je vous ai vraiment quasiment tout présenté sur le fléau. Il n'y a vraiment plus rien du tout, à part le fait que vous avez le fameux coup de bouclier chargé. Et là, le coup de bouclier chargé va être intéressant parce que ça va vous permettre de faire pas mal d'attaques. Alors, faut savoir que le coup de bouclier chargé, c'est en plein enchaînement. En fait, ça fait un coup de bouclier beaucoup plus lent. Mais si vous envoyez sur un mur, vous allez pouvoir faire une attaque haute gratuite. Donc, bien sûr, c'est en plein enchaînement, c'est pas l'attaque de base en dashé. C'est vraiment le fait que vous allez pouvoir l'enchaîner sur les murs surtout. Donc ça c'est vraiment pratique si vraiment vous pouvez caler un mec sur le mur pour pouvoir faire une attaque haute gratuite. Vraiment de 33 de dégâts, donc c'est plutôt appréciable. Donc après, à quoi ça va nous servir cette attaque là au niveau de l'attaque de bouclier un peu plus lente? Bah déjà ça nous permet, déjà si jamais l'adversaire esquive, hein, par exemple, là, je vais le faire un peu plus loin. Mais si jamais l'adversaire esquive, vous allez pouvoir basculer sur des attaques puissantes, que ce soit à gauche, à droite ou en haut. Parce que si jamais l'adversaire il esquive au moment où vous faites ce gros plaquage de bouclier, vous allez peut-être pouvoir faire une contre-offensive sur son attaque. Donc c'est pour ça que je dis, si jamais vous ratez, c'est mieux de privilégier le fait de basculer directement sur
une attaque puissante, parce que bah déjà si jamais il essaie de vous briser ça passera pas, et si jamais il fait une attaque en même temps que vous, bah il y a peut-être moyen que vous attaquiez juste après votre plaquage de bouclier et de basculer sur la contre-offensive, et ça c'est très fort. Après je vois beaucoup de fléaux qui sont ce genre de truc, c'est-à-dire hop ils font un coup de bouclier raté, ils basculent sur une légère, ça peut être vachement parable, donc je vous déconseille de faire. Personnellement je trouve que le mieux c'est faire ça, puis vraiment de basculer sur une attaque puissante, comme ça si jamais il essaie de brise garde parce que le coup de bouclier vous l'avez raté, bah il l'a dans la tronche l'attaque puissante, parce que forcément vous avez la priorité parce qu'elle est plus lente. Vous avez aussi sur les côtés gauche et droit, si jamais c'est des contre-offensives ça marche aussi, donc voilà, genre je vous conseille plus si jamais vous ratez votre combo de basculer directement sur une attaque puissante, ou carrément faire ce genre de système dans hop genre faire ceci puis après basculer sur une défense totale aussi, si jamais vous voyez que l'adversaire va tenter de faire quelque chose juste après. Ou après, vous pouvez faire le dernier truc, hein, c'est genre de la feintée, l'attaque puissante, donc hop, vous faites ceci. Et hop, après vous faites directement une feintée, donc si jamais l'adversaire il a fait un truc, mais juste après votre attaque puissante, bah voilà, il y a moyen de la feinter pour basculer sur une défense totale. Donc voilà, ça c'est vraiment tous les trucs importants à savoir hein, sur le fléau. Vraiment le coup de bouclier basique hein, très rapide et qui bascule sur rien du tout. Et vraiment le coup de bouclier en plein combo qui fait que vous pouvez basculer sur les murs. Et après si jamais il est raté, de basculer sur une attaque puissante pour envoyer sur une contre-offensive. Ça reste très 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 fort. Voilà, donc n'oubliez pas hein, vraiment ce coup de bouclier est vraiment très très fort. Faut juste le faire au bon moment et pas de le faire H24 comme je fais. Mais genre vraiment de le caler au bon moment. Voilà. Et si vous le calez au bon moment pendant vos combos, je peux vous garantir que ça fait énormément de dégâts. Après, si vous voulez pas basculer sur ce coup de bouclier là, vous avez juste à refaire un dash vers la gauche, la droite ou l'avant avec mes techniques que je vous ai montrées tout à l'heure. Et là, vous allez pouvoir faire pas mal de choses aussi. Voilà. Ça, c'est vraiment tous les trucs que je vous ai présentés au niveau du flow. Maintenant, je vais vous présenter l'uppercut au bouclier, parce que ça, c'est le truc le plus basique que je peux vous montrer. En fait, quand vous allez être en défense totale, vous allez juste à vous mettre en défense totale. Après, ça marche pas sur les imbloquables, ça, c'est quand même à préciser. Donc là je vous montre hein. En fait quand l'adversaire va essayer d'attaquer pendant la défense totale, ça va renvoyer le coup automatiquement. Et si jamais ça renvoie le coup, vous pouvez appuyer sur le bouton d'attaque puissante et ça va envoyer un uppercut de bouclier. Donc c'est ça qu'on recherche en fait, en feintant tout le temps avec la défense totale. C'est vraiment d'envoyer ce coup de bouclier. Après bien sûr si jamais ça renvoie sur l'adversaire, vous pouvez bien sûr tenter autre chose. Mais c'est un petit peu con quand même, parce que quand même l'uppercut de bouclier fait quand même 32 dégâts. Donc à vous de vous entraîner avec la défense totale pour pouvoir caler les trucs qu'il faut. Donc moi je vous l'ai dit hein, au niveau des attaques dachées c'est vraiment pas mal. Voilà il a cru, hop, puis voilà je bascule sur des trucs comme ça. Voilà, genre ça c'est vraiment le truc basique à apprendre sur le fléau et ça reste très fort. Après vous pouvez mettre en défense totale, vous rapprocher de lui, voilà, et puis ensuite enchaîner sur les trucs que je vous ai dit quand vous êtes en défense totale. Ou sinon basculer sur directement un uppercut de bouclier. Mais comme je vous ai dit, la défense totale tout à l'heure, c'est si vraiment vraiment l'adversaire ne faisait rien, vous pouvez basculer sur les trucs que je vous ai dit en fait. Ça c'est vraiment la différence qu'il faut faire entre vraiment le punish quand l'attaque arrive sur vous, ou si vraiment l'adversaire vous regarde dans les yeux pendant que vous êtes en défense totale quoi. Bon désolé encore si y a des gens qui comprennent pas trop mon charabia, mais je pense que si vous revenez un petit peu en arrière, vous allez comprendre ce que je veux dire quand même. Donc voilà, donc normalement j'ai vraiment tout présenté, je vais quand même revérifier la liste de coups parce qu'on sait jamais, hein, ça peut arriver que j'oublie par exemple quelque chose. Et voilà, bien sûr le gros coup de bouclier vous pouvez le faire soit en attaque légère ou en attaque puissante à juste après, hein, ça fonctionne super bien. Voilà. Et après tous les autres trucs, ben y a plus grand chose à dire à part les max punish hein, du perso que je vais vous montrer. Donc il y a plusieurs max punish, faut savoir que ça dépend vraiment de votre stamina. Mais le meilleur c'est la double EV hot, mais c'est un certain moyen de pousser en fait que vous allez la faire. Donc je vous montre. Donc en fait vous avez celle sur les côtés, donc ça c'est vraiment max punish basique, hop, vous envoyez sur le côté, vous envoyez directement sur attaque puissante hot et deuxième attaque puissante hot. Si jamais vous poussez l'adversaire en avant, je vous conseille juste de charger votre fléau, donc comme ceci, et d'envoyer ensuite sur une attaque imbloquable. Donc là j'ai mal fait, mais genre je vous remontre, donc là je charge mon fléau et je l'envoie sur un 44 de dégâts. Après si vous pouvez vraiment pas charger votre fléau, il y a un autre punish qui est aussi bien, c'est hop, attaque légère, attaque puissante, ça fait 43 de dégâts au lieu de 44, donc un dégât en moins c'est pas trop grave, ça dépend vraiment de votre stamina. Donc si vraiment vous avez beaucoup de stam, vous faites en avant, vous faites l'attaque chargée avec le fléau, et bam vous basculez sur celle-ci, soit vous faites celle-ci, basculez sur attaque légère et attaque puissante. Bien sûr l'attaque chargée du fléau, faut vraiment attendre un certain moment, le temps que juste le fléau devient un peu rouge. Voilà, et hop, vous pouvez basculer sur une imbloquable de 44 de dégâts. Après, le mieux, c'est sur les côtés gauche et droit. Si vous avez beaucoup de stam, hop, basculez directement sur double attaque puissante. Voilà, puis après, vous pouvez enchaîner sur peut-être une attaque légère si vraiment le mec ne peut pas bloquer. Voilà, et après, en arrière, alors c'est un peu space, mais vous pouvez aussi faire double punish, mais sur le côté gauche ou côté droit. Sur la haute, ça fonctionne pas, j'ai déjà essayé. Si vous essayez sur la haute, vous allez voir qu'il y en a une qui va partir en arrière et c'est mort, quoi. Du coup,
vraiment axé sur ce truc là, sur ces deux trucs là, sur les côtés gauche et droit, ça fonctionne super bien. En avant, la légère avec la puissante ou directement la chargée, et en arrière, c'est vraiment vous le lancez sans faire exprès, vous faites double sur le côté. Voilà, que ce soit gauche ou droit, ça fera quand même un bon, si je dis pas de bêtises, un 55 de dégâts au lieu du gros max punish qui fera 63 de dégâts. Voilà. Après, sur les murs, hein, le punish c'est très simple, c'est juste l'attaque-côte hein, quand vous êtes sur un mur, hein, je vais essayer de vous montrer. Hop, je vous montre le temps qui bouge. Hop, donc si vous envoyez sur un mur, faites directement l'attaque haute. Voilà, ça c'est vraiment le punish sur le truc là. Et après, c'est pareil au niveau du parrain. Si vous arrivez à parer un adversaire, je vous montre parce que j'en ai qui me disent que j'oublie souvent de parler de la parade. Mais du coup, je vous montre si ça veut bien le faire. Tac, 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 tac. C'est bon. Et bah disons, l'orage derrière, il est fort. Hop, donc là, je vous montre si c'est possible. S'il te plaît, est-ce que c'est possible que tu fasses une parade, mon cher ami? Sinon, on va devoir attendre. Bon, apparemment, il veut pas trop. Bon, il veut pas. Apparemment, il veut pas. C'est un peu triste. Mais bref, si vous arrivez à faire parer l'adversaire, il y a vraiment pas de problème. Hein, parce que, genre, vous allez pouvoir enchaîner sur pas mal de trucs après. Bah, surtout la double haute en Eevee. Donc, si vous le faites tomber comme ça, hop, après, vous pouvez basculer sur double haute normalement après la parade. Donc c'est comme le max punish sur le côté gauche et le côté droit, quoi, normalement. Après, si vous voyez que ça fonctionne pas, vous faites légère haute, hein, y a pas de problème. Donc voilà, ça c'est vraiment les max punish du perso. Oh là là. Du coup, j'ai vraiment tout présenté, je pense, sur le fléau, j'ai vraiment rien oublié de Space. Donc franchement, après, je pense que j'ai un peu parlé chinois, clairement. C'est un peu compliqué le fléau, hein, essayer de comprendre au début, mais une fois que c'est bien calé, c'est bien calé. Donc bref, maintenant je vous propose de tester un petit gameplay sur le perso. Alors sachez que je ne suis pas spécialement joueur fléau actuellement, donc ça peut arriver que je fasse des petites bêtises. Mais voilà, j'essaie de vous montrer comment je joue, et à vous de me dire si vraiment c'est plutôt intéressant en soi ou pas. Donc après faites gaffe parce que au niveau, pareil, au niveau du paring, j'avais oublié d'en parler, mais si vous parez une attaque puissante, vous avez attaque légère gratuite. Si vous parez une attaque légère, vous avez l'attaque puissante haute gratuite. Hein. Donc n'oubliez pas, hein. Je vous montre si jamais il veut me faire une attaque légère, ça serait bien. S'il te plaît. Bon, tant pis. Au pire, je vous montrerai pendant le gameplay. Donc bref, là hop, tac. Là je me mets en recovery. Hop, hypercut. Après on peut enchaîner sur d'autres combos. Hein. N'oubliez surtout pas, si vous voyez que votre coup de bouclier il a pas fonctionné, de basculer sur autre chose. Hop. Là c'est parce que j'oublie à chaque fois de le faire, mais bon. Après on peut enchaîner sur vraiment pas mal de choses hein, avec le fléau. Hein. Le problème c'est que vraiment si vous ratez ce genre d'esquive, ça fait vraiment mal. Après au niveau de la parade, si jamais vous arrivez à parer une attaque légère, je vous conseille juste de faire un coup de bouclier avec une attaque légère, c'est beaucoup mieux. Parce que au moins ça bouffe la stamina de l'adversaire, donc si vous faites une parade d'attaque puissante, vous basculez sur ce coup là. Après si vous faites une parade d'attaque légère, basculez sur une haute puissante, il n'y a vraiment pas de problème hein, par rapport à ce truc là. Hop, bon après faites gaffe au niveau de la brise garde, ça peut arriver que des fois il la fasse. Voilà, bon après je vous montre un peu tout hein quoi. Après voilà, on peut faire aussi directement la défense totale pour couper. Donc hop. Et ben. C'est un peu Space hein, le fléau, hein. C'est vraiment un gameplay de tanky quoi, hein. C'est ce que j'aime pas trop personnellement. Moi j'aimais beaucoup à l'époque parce que c'était vraiment méta paring, donc voilà. Après on peut faire l'attaque chargée. Hein. Bon j'aurais pu peut-être le faire en hypercut. Voilà bon, vous pouvez faire ce genre de truc aussi, hein, pas de problème. Vraiment, si vous ratez vos coups de bouclier, n'oubliez surtout pas de faire une attaque puissante, hein, surtout sur la grosse au niveau du coup de bouclier si jamais vous ratez. Parce que si jamais vous le faites au mauvais moment, bah voilà, c'est un peu punitif. Et surtout faire l'attaque puissante haute. Parce que comme elle est beaucoup plus longue,
Bah forcément, si jamais vous ratez votre coup de bouclier, bah normalement, il peut pas vraiment vous parer. Après, je sais pas si ça a été géré au niveau du patch, parce que je crois que ça a été géré, donc c'est pour ça que le flow, il est moins fort. Donc faites gaffe. Le problème, c'est ça reste toujours axé sur la brise garde en punish, donc ça, c'est vraiment chiant. Hein. C'est vraiment le seul problème du flow, je pense. C'est pour ça qu'il faut beaucoup jouer... Faut beaucoup jouer sur des feintes et tout, hein, parce que sinon c'est très compliqué. Pour ça, genre, le problème c'est qu'au fur et à mesure de mes guides, bah à chaque fois, For Honor ils font des correctifs. Comme par exemple le correctif qu'on pouvait brise garde en plein milieu d'un coup de perso. Bah c'est un peu chiant quoi. Pour ça que le fléau il est un peu moins fort que bah avant. Vraiment c'était vraiment ça qui était fort hein, sur le fléau, du fait que quand vous t'envoyez un coup de bouclier tu pouvais directement envoyer sur un coup puissant. Bah maintenant tu peux plus, parce que là je viens de remarquer que bah la berserker elle peut me brise garde alors qu'à l'époque on pouvait pas. Bref, donc ça faites gaffe quand même. Moi si je dis juste ça parce qu'au niveau des joueurs j'en vois beaucoup qui pensent encore que bah ce coup là ça passe. Donc voilà genre faites gaffe. Voilà je vous montre un peu, après il y a des trucs à rectifier hein, ça c'est sûr et certain. Mais bon. Enfin, je suis pas un très bon joueur fléau, hein, je vous le dis. Hein. Moi, je joue ça vraiment pour le fun au début. Parce que c'était vraiment bien pour le parrain. Et voilà. Hein. Vraiment le problème, hein. Je pense vraiment le plus gros défaut du fléau, c'est de se faire brise garde. Hein. C'est vraiment le seul fléau qu'il a, hein, littéralement. En plus, c'est un jeu de mots, mais bon, c'est plutôt sympa. Après, si jamais vous faites pas d'attaque, normalement, bah, vous pouvez en empêcher la brise garde. Hein. Dépend de comment l'adversaire va réagir. Hop. Hop. Bon, voilà, hein. Après, je vous montre un peu du gameplay. Après forcément c'est pas vraiment le meilleur gameplay au monde. Je vous montre vraiment tous les trucs que je vous ai appris. Problème c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait qu'il peut se faire brise garde pendant la défense totale. Ce qui fait que un fléau mal joué forcément il a accès forcément à de la brise garde. Donc c'est vraiment ça le problème quoi. Après ça peut vraiment se jouer niveau paring et tout, hein, vraiment pas de problème. Donc voilà. Après je vais essayer de vous montrer avec les max punish si c'est possible. Hop, je vous montre un coup. Après les delays, j'oublie souvent de les faire. Mais c'est fort. C'est très fort même. Voilà. Pas le max punish, je peux enchaîner. Hein. Voilà. Je peux enchaîner sur vraiment pas mal de trucs. Hein. Vraiment le fait de basculer de défense totale sur brise garde, c'est quand même vachement fort, je trouve. Et après faire des attaques en delay c'est fort aussi. Hein. Et remettre les adversaires en retrait avec l'attaque de zone, c'est fort. Hein. Très très fort. Mais voilà. Le problème c'est vraiment les patchs d'Ubisoft. Quand ils font des trucs, il y avait des trucs qui marchaient super bien sur le flux à l'époque. Maintenant ça fonctionne plus. Donc ça c'est vraiment chiant. Vraiment le fait qu'ils pouvaient par exemple punir alors que normalement l'adversaire faisait une brisière pour punir le fléau, c'est très fort. Maintenant comme ils l'ont enlevé c'est un peu galère, donc faites gaffe quand même. Je tiens à le redire parce que forcément je suis pas non plus axé sur tous les persos. Du coup ça peut arriver que il y a des trucs que je dise et que ça fonctionne plus trop. Donc là il va essayer de faire le punish en arrière si c'est possible. Voilà. Hop. Hop, basculer sur le mur, hop on lui fait des dégâts. Bah, après les contre-offensives du fléau je trouve qu'elles sont galères. Genre vraiment galères. Hein. C'est vraiment un timing précis, c'est entre le parrying et l'attaque, donc c'est un peu space, faut vraiment la faire un peu en avance. Donc voilà. Franchement, très très cool le fléau. Si c'est bien joué, c'est très fort. Surtout sur les attaques dachées. Et puis après, on peut enchaîner sur trois types de coups de bouclier différents.
Et puis voilà quoi, amusez-vous quoi, amusez-vous. Après si j'oublie des choses, n'hésitez surtout pas à me corriger, hein, ça peut arriver, hein, parce que des fois beaucoup de blabla j'oublie des choses. Mais voilà genre. Après faites gaffe au niveau des délais, au niveau des attaques puissantes, c'est pas le même délai que normalement. Et pareil, si vous voulez remettre l'adversaire en retrait avec l'attaque de zone, vous pouvez. Vraiment le fait que tu casses le rythme avec les attaques. Oh là là, c'est fort, c'est fort. Basculer directement sur attaque de zone, c'est fort aussi. Après, faites gaffe au niveau du punish après l'hypercute de bouclier, mais genre, je vous conseille juste de faire gaffe. C'est surtout si jamais vous renvoyez une attaque légère après, c'est vachement punitif, parce que genre, l'adversaire se remet directement sur ce coup-là, du coup, vous pouvez facilement vous faire punir. Donc voilà. Après, je vais essayer de confirmer ce que j'avais dit tout à l'heure. Ouais, voilà. En fait, vous pouvez la brise-garde de tout à l'heure, je tiens à rectifier, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire « Ouais, l'attaque haute, je peux pas la faire. » C'est vraiment que attaque gauche ou droite, maintenant, au niveau de la brise-garde, hein, qui est garantie. Voilà. Brise-garde, faites attaque gauche ou à droite. Voilà. Bon, moi, je tiens à le dire, parce que sinon, il y a des gens qui vont me dire « Ah ouais, non, mais l'attaque haute, elle passe pas, non. » Bref, voilà. Voilà. Bon, je pense que j'ai à peu près tout montré sur le fléau. Je pense que ça suffit, clairement. Donc, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas. Sachez que, voilà, je suis pas parfait. Donc, si jamais j'ai oublié des choses, n'oubliez surtout pas de me le dire dans les commentaires. Je sais que le fléau, à une certaine époque, il était très fort. Et depuis qu'ils ont lâché des petits correctifs sur les attaques qu'on puisse littéralement faire des brise-gardes pour les attaques, bah, le fléau, ça l'a rendu un peu moins fort. Voilà, donc, même beaucoup moins fort. Donc, c'est ça le problème. Donc voilà, après faut s'adapter, c'est comme ça. Il y a toujours un moyen d'essayer de remonter la pente. Donc bref, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous présenter tous les trucs qu'il y avait sur le fléau. Après, bah, vous pouvez regarder un peu mon gameplay, hein, ou de temps en temps passer sur mes lives, ça paraît avec que je joue le fléau. Voilà, et ça joue beaucoup axé sur défense totale, les dashs. Et sur les attaques en feinte, hein, genre basculer sur coup de bouclier, gros coup de bouclier, surtout l'hypercute de bouclier, bah l'hypercute au fléau, c'est vraiment tous les trucs là où il faut beaucoup jouer dessus. Bref. Du coup, je vais vous laisser sur ce guide, j'espère quand même que ça aura aidé pas mal de gens. Et puis moi en tout cas c'était Biotox, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.